Minasan konnichiwa, bonjour à tous. Lors du cours précédent, nous avons appris comment obtenir la forme neutre des verbes. Aujourd'hui, nous allons voir la forme neutre des adjectifs. C'est parti! Avant de commencer, rappelons-nous les quatre conjugaisons des adjectifs en « i » et en « a » à la forme polie. Pour les adjectifs en « i », sa forme présente est l'adjectif tel qu'il est en ajoutant « des ». Pour obtenir la forme négative, remplacez « i » final par « ku » et ajoutez « ないです » ou « ありません ». Il existe deux façons. La forme passée se fait en mettant « katta desu » à la place de « i » final. Enfin, pour avoir la forme passée négative, remplacez « i » final par « ku » et ajoutez « nakatta desu » ou « ありませんでした ». En ce qui concerne les adjectifs en « a », sa forme présente est l'adjectif sans « na » final en ajoutant « desu ». Pour obtenir la forme négative, remplacez « na » final par « dewa » ou sa version contractée « ja » et ajoutez ないです ou ありません. Donc il existe quatre façons. La forme passée se fait en mettant でした à la place de な final. Enfin, pour avoir la forme passée négative, remplacez な final par ではou ja et ajoutez なかったですou ありませんでした. Si vous voulez revoir le cours sur la forme passée, allez voir la vidéo suggérée. Maintenant, voyons la forme neutre. Pour les adjectifs en « i », il suffit d'enlever « des » de la forme polie pour chaque temps. C'est-à-dire, au présent, l'adjectif tel qu'il est, au négatif « kunai », au passé « katta » et au passé négatif « kunakatta ». Par exemple, pour akarui, lumineux, sa forme présente est akarui. La forme négative est akarukunai. La forme passée est akarukatta. La forme passée négative est akarukunakatta. Pour obtenir la forme présente des adjectifs en na, il faut remplacer des de la forme polie par da. Da est la forme neutre de des. Pour la forme passée, il faut remplacer deshita par datta. Datta est la forme neutre de deshita. Pour la forme négative et la forme passée négative, il suffit d'enlever des de la forme polie, donc dewanai ou janai au présent et dewanakatta ou janakatta au passé. Par exemple, pour shizukana, calme, sa forme présente est shizukada. La forme négative est shizuka dewa nai ou shizuka janai. La forme passée est shizuka datta. La forme passée négative est shizuka dewa nakatta ou shizuka janakatta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce cours, n'oubliez pas de mettre un j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. 今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の授業で会いましょう。じゃあね。